Alors nous sommes sur l'autoroute à 20 km d'Orange. Petite pause. Voilà. Voilà, nous sommes le 11, nous sommes toujours au Cormet de Roselane, après une bonne nuit dans le chalet. Nous allons partir sur l'Italie. Nous allons passer le col en face. Et direction le lac Majeur. Tout le monde est prêt. Le lac Majeur. Alors là, nous sommes partis ce matin, direction le lac de Côme. C'est magnifique, un temps superbe, un lac Majeur magnifique. Comme en Suisse, il y a des travaux. Et là, on est de l'autre côté du lac Majeur. Alors, c'est la pause des petits déjeuners. Non, déjeuner, déjeuner. J'ai très bien mangé. Non, non. Mon collègue, il n'a pas voulu manger parce qu'il a dit qu'il pouvait sauter les repas. Lac de Côme, du soleil jusqu'à maintenant, mais là je crois que il va y avoir de la pluie. J'espère que le GPS ne nous gagne pas encore. Ouais. Ne nous amène pas voir un monastère. Un sanctuaire. Ah, j'ai dit qu'il a vu qu'il y avait un sanctuaire. Moi, j'ai rien vu du tout. Bon. J'aurai de la pêche, putain.
Super. Bon, ben j'ai dit ça va. Donc content de pas avoir des pêches, en plus je m'en fais engueuler. Tu te fais pas engueuler, mais je te dis, mais t'as pas vu l'arbre du tout. T'as pas vu. Ouais, et voilà. Mais je comprends pas que t'as pas vu. Moi, je voyais que tu voyais pas. Sarnico sur le lac Iseo, le plus petit lac. Ah ouais. Là tu t'appliques. Nous sommes sur le lac de Garde. Une petite pause au lac. Nous sommes au lac de Garde. Et ce soir c'est Vérone. Voilà Vérone, les arènes. Il y a de l'eau, hein. Ils doivent le voir quelque part. Bon, dernier jour de vacances, retour à la casa. Un petit sourire. Guidi. Ah, et moi aussi, hein, le garagiste. Oui. Il nous l'a ouvert. Alors, nous sommes à l'hôtel Vauban à Briançon.